motax bes niki tay dinañ jël décision pour yombalal dem bi ak dik bi manam téré biñ ci daan def ci réew mi yépp dinañ ko bayyi nit ñi dinañ mëna dem dinañ mëna dik wayé dinañ yëkëti aussi couvre-feu bi légui au lieu muy tambali 21h 23h manam 11h ci goudi lay tambali ba 5h du matin gare routière yi dinañ reprendre pour transport urbain ak transport interurbain wayé gannaaw couvre-feu bi amna ba légui amna waxtu bo xamné bi ministre des transports dana ci waxtaan ak gare routière pour que surtout interurbain ni pour que ñu mëna tej gare routière réunion yi nga xamné aussi téré won nañ ko ci endroit public ak privé dana ko reprendre restaurant yi également danañ reprendre salle de sport yi aussi danañ permettre ci salle de sport yi nit ñi di def seen activité ci casino yi ñom aussi danañ am mesure d'assouplissement yi waye danañ respecter également distanciation yi ak mesure d'hygiène gouvernement bi comme nim ko dalé def bo ba neug ni mi ngi continuer di deglu population yi pour fexé ba relance économique bi nga xamné président wax nako ñu dund ak virus bi te jël suñu matuway ñu continuer ci waye nak lool lepp la fi limi and moy port de masque bi nga xamné bi mom ala kulli al munta ñak ci bëreub yi nga xamné nit ñi dañu fay dajé ci transport yi distanciation bi nga xamné bi également manam s'orienter biñuy digal nit ñi lool aussi ba légui mi ngi fi tayit dañ ci yok lenn bëgg nañ transport yi nga xamné dañ koy reprendre rawatina transport interurbain bi auto bu ci dugg bu ne ñu boy départ ci gare routière def li ñuy wax manifeste manifeste moy keuy bi woné ñi dugg ci auto bi seeni contact ak fan lañu dem lool dina mëna permettre ba légui bu fekkante ne dara xew ni ñu mëna top ñi nga xamné ñoo andon ci voyage bobu le gouvernement bi nak mi ngi regretter li nga xamné li xewna ci ñaari fan yu mujjii muy manifestation yi nga xamné ay ndaw ñi ngi koy manifester pour ñu lever couvre-feu bi lool nak malheureusement tax na ñu japp ci ñu xawa limbu xawa takku ci biir Sénégal donc lool vraiment lo xamné nakar nañ ko parce que askan war nañu xamné lepp li nga xamné li jël nañ ko ci mesure pour sen karangé dong la ma ngi leen di sante ma ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf de l'intérieur. Vous avez parlé justement des manifestations et nous avons noté certaines manifestations à Touba, dans les villes comme Touba, Dakar et Tambacounda. Et semble-t-il que l'armée était venue pour renforcer la police. Qu'en est-il exactement? Mais merci beaucoup. Je dois tout d'abord préciser que, en fait, c'est un discours que j'ai entendu hier au niveau d'une partie de la presse. L'armée, à l'instar de toutes les forces d'avant et de sécurité, fait partie du processus depuis le début. Je pense que ceux qui ont suivi ma première sortie, je pense que c'était deux jours après le couvre-feu, j'étais avec les militaires au niveau de Buntu Pikin. Donc ils ont été toujours partie prenante donc, dans le dispositif des forces d'avant et de sécurité. C'est vrai, ils ne contribuent pas au même nombre que la gendarmerie et la police, mais ils ont été toujours présents, donc ils font souvent des patrouilles. Donc il n'y a rien de neuf, c'est toujours quelque chose qui était là. Voilà. Je tenais à le dire, bon, c'est également important, c'est dans les nouvelles mesures. Je veux dire que les armées ont été mises dans la partie presse qui a été dañoo leen woo démb pour ñu jàppale force devant et de sécurité couvre-feu bu amé état d'urgence bu amé force de devant et de sécurité yépp dañuy ànd ak ministère de l'intérieur pour appliquer mesures yi armée depuis le premier jour mi ngi ci ni ci gendarmerie nekkee ak police nekk ci peut être différence bi rek mooy gendarmerie dafa am secteur boo xam ne bii nakk jekk moom moo koy gérer police am secteur boo xam ne bii nakk jekk moo koy gérer lii nag bu amee armée moom day def faral def patrouille donc ñi nga xam ne ñu gisoon nañ ma ci sortie bi ma defoon ci ñaari fan foog naa ne après couvre-feu bi gisoon nañ que ne daje woon nañ ak armée keroog ci Buntu Pikine ak ci yeneen béréb yoo xam ne yi ñoom ñu ngi ci woon pour